Les supporters n'ont pas hésité à utiliser les grands moyens pour créer une atmosphère complètement folle. Difficile de dire ce qu'il va arriver pendant cette rencontre. Un long ballon vers la droite. Vers l'avant. Face à face avec le gardien. Le responsable du jeu emploie son sifflet. Il s'écarte sur le côté. Va-t-il passer à travers? Il fonce vers le but. Bonne parade. Pourra-t-il continuer? Figo. Va-t-il trouver un homme libre? Il envoie le ballon loin devant. Raoul. Il joue derrière la défense. La défense est disloquée. Le goal s'allonge bien. Ah, c'était une situation dangereuse, hein, mais le gardien s'en est bien tiré dans ce circonstance. Les défenseurs ont intérêt à faire preuve de sang-froid. Le ballon n'est pas correctement dégagé. Défense vigoureuse ici. À nouveau une tête. Il tire vers l'avant. Beckham. Tentative. Quel but splendide! 15e minute de jeu. C'est le premier but de la partie. Superbe but de l'attaquant. L'atmosphère est ici survoltée. Quand ils sont dans cette forme, ils sont vraiment irrésistibles. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur ce but. Ils ont marqué le premier but, Jean-Luc. Maintenant qu'ils ont pris l'avantage, est-ce que leur approche du jeu va changer? Oh, ça me surprendrait beaucoup. Je pense qu'ils vont plutôt continuer comme avant et essayer de doubler la mise. Dario Silva. Passe vers l'avant. Torrado. Longue passe vers la gauche. Il choisit de renvoyer le ballon derrière. Il joue vers l'avant. Bonne descente sur le côté droit. La défense est en forme aujourd'hui. Ils vont être déçus que personne ne soit parvenu à l'avoir. Oui, le dernier ballon manquait vraiment de qualité. Il a intercepté la passe. Zidane. Une passe vers l'avant. Passe très courte. Il choisit de jouer loin, devant. Il dribble vers la droite. Ah, il devrait centrer. C'est un centre à ras de terre. Zidane. À droite. Zidane. Ronaldo. Quel coup! C'est un tir du tonnerre. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Coup de sifflet de l'arbitre qui a vu une faute. Il fonce tout droit. Bien renvoyé. Il tire loin vers la gauche. Il cherche un partenaire, mais devant. Le ballon sort du terrain. Il passe dans le trou, derrière la défense. Oh, juste à droite du montant.
Il envoie le ballon devant lui. Daniel Alves. La balle sur l'aile gauche. Zidane. Il fait une longue passe. Longue transversale en avant. Et le ballon se trouve maintenant dans le couloir droit. La défense est sous pression et dégage en corner. Que va-t-il faire avec le ballon? Et il passe le ballon. Une passe longue en direction de l'aile droite. Vont-ils y parvenir? Et c'est écarté. Un beau jeu en déviation. Quelqu'un peut-il l'arrêter? Il manquait seulement le geste final. Nouvelle interception. Passe longue sur le côté droit. Une faute a été commise. L'arbitre siffle, c'est la fin de la première mi-temps. Ils ont pris un avantage au cours de ce match. Oui, et ils ont fini la première mi-temps en beauté. Le score à la mi-temps. Après s'être reposé, les joueurs sont maintenant prêts à en découdre dans cette deuxième mi-temps. On change de côté pour la deuxième mi-temps. Attaquant depuis le côté droit, ce sera le Real Madrid. Et de gauche à droite, Séville. Le ballon arrive sur sa tête. C'était presque dedans. Il cherche l'avant. Une passe courte en avant. Ronaldo. Il oriente le jeu sur le côté droit. Un but extraordinaire! Juste après le repos, ils ont maintenant deux buts d'avance. Ils marquent presque aussitôt après la pause. Ils ont doublé leur score et semblent contrôler le match. C'était vraiment très bien joué sur ce coup-là, Jean-Luc. Ouais, Christian, dès comme ça, il en rate jamais. Ils en marquent un autre. Qu'en penses-tu, Jean-Luc? Eh bien... Ils ont doublé leur avantage dès le début de la deuxième mi-temps. Ils sont tout feu, tout flamme pour cette deuxième mi-temps. Ils continuent de jouer avec la ligne arrière. Il envoie le ballon vers l'avant. Dans le couloir droit. Continuez de jouer, dit l'arbitre. Batista. Il lui renvoie le ballon de la tête. Une passe courte de la tête. Une passe en douceur de la tête. Il tente de passer vers l'avant. Antonio Lopez. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Pas moyen de l'arrêter. Une superbe déviation. Dans l'espace. Non, le ballon a été intercepté. Il continue lui-même. Batista. Peuvent-ils marquer sur ce frappe direct vers le but? Arrêt remarquable du portier. Il cherche un espace à gauche. Descente côté gauche. Il tente de faire une tête. Juste sur le côté gauche. Une passe en avant, tir puissant vers la droite. Changement d'aile vers la gauche, il décoche un tir.
Le danger est écarté. Il pousse le ballon vers l'avant. Batista. Redondo. Il fait avancer la balle. Coup de sifflet. Un ballon puissant sur le côté gauche. Une balle vers l'ailier gauche. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Renato vers l'avant. Une passe longue vers la droite. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, c'est bien bas. Blocage superbe du portier. Il est piégé, hors jeu. On va revoir la faute. Il passe le ballon sur le côté droit. Bonne attaque de balle. Coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre arrête le jeu. C'est un coup franc qui promet. Il tente sa chance. Merveilleux arrêt du gardien. Bah oui, sûrement il y avait faute. Ballon brossé vers le but. But ! Ils vont essayer de revenir à égalité. Un ballon superbement travaillé, le gardien n'y a rien vu. Ils ont réduit l'écart. Un but d'avance seulement, à ton avis, Jean-Luc? Qu'est-ce qu'ils devraient faire maintenant? Ben, ils se sont bien défendus, ça c'est sûr, mais ils ne devraient surtout pas paniquer pour un petit moment de malchance. Coup franc direct. Faute. Une très longue passe vers l'avant. Il cherche un homme démarqué. Dario Silva. Et voilà, il tire au but. Il dégage en corner. Voici le corner. Il passe sous le nez du gardien. Autre tête. À nouveau une tête. Encore 5 minutes de jeu. Jeu dangereux. L'arbitre donne coup franc. C'est une belle tentative, mais il n'a pas réussi à passer. Il décoche une belle transversale vers l'avant. Antonio Lopez. Il s'échappe sur l'aile gauche. David. Il joue sur le flanc gauche. Et ils obtiennent une touche dans le camp adverse. Il n'y a plus que quelques secondes à jouer. Raoul. C'est le coup de sifflet final de 1. Ils s'en sortent avec un tout petit but. C'est un match à vous couper le souffle, Jean-Luc, n'est-ce pas? Oh oui, un match magnifique, plein d'animation. Dommage qu'une équipe doive perdre. Nous vivons les derniers instants. Laissez-moi dire un grand merci à Jean-Luc Arribard qui nous a donné ses réponses.